chaque jour sans amour est un jour de peine pour tous ceux qui aiment. Amour perdu ne se retrouve jamais plus. Quand il est là tout près, il vaut mieux le prendre plutôt que d'attendre. Amour perdu ne se retrouve jamais plus. Alors, ce soir déjà, oh laisse-moi te prendre dans mes bras. Et ne dis pas demain, toujours demain. Demain sera peut-être trop tard. Tu sais que chaque jour sans amour est un jour de peine pour tous ceux qui aiment. Amour perdu ne se retrouve jamais plus. Non, jamais plus. Aujourd'hui même, sans hésiter, laisse-moi t'aimer. Pour tous ceux qui aiment, amour perdu se retrouve jamais plus, non jamais plus. Aujourd'hui même sans hésiter, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, oh laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi aimer. Vous dites, je la connais, ou l'ai-je déjà vue? Ce qui vous trouble, c'est que d'habitude, elle n'est pas seule. Virginia est en effet l'une des trois célèbres Peter Sisters, et c'est aussi une de mes très grandes amies. Et pour la première fois ce soir, elle va chanter en soliste, et je crois que sa voix est assez exceptionnelle, que ça va vous faire très plaisir de l'entendre. Virginia, je crois que vous parlez couramment le français. Ah oui, on me prend toujours pour une bretonne. Une bretonne? Mm. Bon, eh bien écoutez, nous allons vous écouter. Oui. Alors, je vous laisse, hein, okay. Tout de suite. Bon. Oui. Excusez-moi, c'est l'émotion. Oui. Ouais. Tes yeux dans mes yeux, c'est l'amour en bleu. On n'avait jamais vu ça. Depuis Roméo, la reine Margot, la dame aux camélias, c'est toi, toute ma littérature. Ma plus belle page d'écriture. Si j'avais le temps d'écrire un roman, il faudrait 600 pages. Pour le parler de toi. Je crois que tu vaux 15 ou 16 ou 10. C'est toi, toute mon arithmétique.
fesses ou en fin de queue, je dépose les âmes. Quand je suis près de toi et de ton ciel et de tes nuits bleues et de ta fleuve et de tes yeux bleus et de notre amour en bleu. Eh bien, là-bas, vous pouvez apercevoir mon copain Jean-Jacques Debout. Mon copain Jean-Jacques Debout qui va maintenant chanter une chanson dont la musique est de Jean-Jacques Debout, dont les paroles sont de Jean-Jacques Debout, et cette chanson est intitulée « Là-bas ». Voici donc Jean-Jacques Debout, assis. Maintenant, Jean-Jacques Debout a une surprise à nous faire. Et comme je me méfie toujours des surprises de Jean-Jacques, je crois que je vais aller m'asseoir pour regarder. Mais où est Johnny ? Où est Johnny ? Où est Johnny ? Mon Dieu, comme c'est étrange. Mais chaque fois que j'aime, je suis toujours le même, mais j'ai la voix qui change. Alors je lui ai dit que moi et mon équipe, on était des chic types, bien sûr, même en surprise partie. On a bu du porto, et quand elle fut grise, j'ai caché sa chemise.
fond de mon chapeau. Mais reconnaissez pas, perdu dans la nuit prude, ah, car il y avait la lune, on ne s'embêtait pas. Et comme je fais toujours, ouais, ouais, toujours, j'ai bien fait le twist. Et ça, rien n'y résiste, car c'est vraiment fait pour. Yeah, 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 yeah. Oui, c'est vraiment fait pour. Yeah, 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 yeah. Vraiment fait pour l'amour. Pour, pour, pour. Impression que c'est nous qui payons. J'ai l'impression aussi, ouais. Tu vois, moi, je trouve qu'il m'imite pas très bien. Toi, c'est formidable, hein. Mais moi, bah, tu vois, c'est curieux que tu me dises ça parce que moi, justement, je pensais le contraire. Je trouve que moi, il m'imite pas très bien. Non, mais alors, toi, extraordinaire. Non, moi, je trouve pas. Formidable. Moi, je me reconnais pas tellement. C'est pas si mal que ça. Je voudrais maintenant te demander de me chanter. Tu sais, comme on est. Monsieur Hallyday, je voudrais vous me chantiez l'idole des jeunes. Ah ben ça tombe bien, c'est justement celle-là que j'ai répétée tout à l'heure. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant je cherche tout simplement l'amour. Et une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser, oui, le spectacle terminé. S'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Sur un doigt, sur une note, je t'écris cette chanson. Et plus tard, quand d'autres notes à la suite me viendront, elles seront la conséquence d'un piano de troubadour, comme tu es la conséquence de tous mes rêves d'amour. Les gens passent trop souvent leur temps à se parler jusqu'au délire pour ne rien dire. On n'a pas besoin des arabesques de la gamme pour traduire ce qu'on désire. Il suffit d'une seule note qui se couche sous mes doigts. Je caresse cette note comme je te caresse toi. Et qui veut toutes les notes, ré, mi, fa, sol, la, si, do, reste seul dans une note à pleurer sur son piano. On n'avait jamais écrit sur une seule note de musique que des cantiques.
Moi j'ai voulu faire une chanson, et si elle n'est pas magnifique, elle est unique. Sur un doigt, sur une note, je t'écris cette chanson. Et plus tard, quand d'autres notes à la suite me viendront, elles seront la conséquence d'un piano de troubadour, comme tu es la conséquence de tous mes rêves d'amour. Comme tu es la conséquence de tous mes rêves d'amour. J'ai fait le rêve incroyable que j'aimais l'adorable Cléopâtre. À bord d'une galère, nous voguions sur l'eau claire d'une île bleue en amoureux. Je la trouvais vraiment belle, elle avait tout pour elle, Cléopâtre. De plus, elle était reine et portait un diadème et des bijoux un peu partout. Allongée dans une pose nonchalante, je savoure tous les parfums d'Arabie. Des esclaves et des servantes me servent et m'éventent. Je peux me croire au paradis. Mais là s'arrête mon rêve, j'ai laissé sur la grève Cléopâtre. Mais depuis je m'agite, je me dis roi d'Égypte, pourquoi non? C'était au fond ma vocation. J'ai cherché à retrouver une autre reine, mais hélas, ça ne court pas les rues, dit-on. D'ailleurs, il en reste à peine une demi-douzaine, et elles n'ont plus de pharaon. Il faut que je me surveille, c'est ce que me conseille mon psychiatre. Mais c'est dur à admettre quand on a failli être pharaon. Quelle déception! Quelle dérision! Oh oui, c'est dur de revenir à la chanson. Là, vous savez, ça a quand même de bons moments, la télévision, hein? Merci, monsieur le directeur. Et attendez, ce n'est pas fini! Darling, darling, oh yes, my darling. Sherry, Sherry, oh oui, Sherry. Forever and ever, oh yes, forever. Toujours, toujours, oui, pour toujours. Je n'ai pas besoin de faire des discours, quelques mots sont te dire, mon amour, I love you, I love you, oh yes, I love you, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Darling, darling, oh my darling, chérie, chérie. Cherry, forever
forever. Toujours, toujours, oui pour toujours. J'ai si peur qu'un jour tu veuilles.
Bienvenue, jolie Françoise, aux longs cheveux et aux jolis yeux. Bonsoir, je suis très contente d'être à Sacha Show. Devinez un peu ce que j'ai là sous les semelles, Monsieur Cassel. Puis-je me permettre un avis très personnel, Monsieur Distel? Ah, évidemment, vous vous croyez spirituel, Monsieur Cassel. Je connais ce pas, je vous en montre l'essentiel, Monsieur Distel. Ces shabadabada me sont plus habituels, Monsieur Cassel. Je m'avoue incapable d'en faire de pareil, Monsieur Distel. Tout dans le rythme, le reste dans la prunelle, Monsieur Cassel. Je préfère me mêler à de quoi je me mêle, Monsieur Distel. Passez vos deux pouces assis dans les bretelles, Monsieur Distel. Jusque-là, pas besoin de dons exceptionnels, Monsieur Cassel. Maintenant, levez la jambe. Oui, mais laquelle, Monsieur Cassel? Les deux à la fois, il vous poussera des ailes, Monsieur Distel. Vous manquez encore quelque peu de naturel, Monsieur Distel. Que voulez-vous, on ne peut pas être universel, Monsieur Cassel. Je ne voudrais surtout pas vous chercher querelle, Monsieur Distel. Mieux vaut chanter en duo que de danser en duel, Monsieur Distel. Oui, mais... Et aussi... Sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et l'on traîne.
Alors pense que moi je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai. Petula, si je peux faire quelque chose pour toi. Oh oui, Sacha, tu peux faire quelque chose pour moi. Embrasse très fort pour moi ton fils. Bonsoir, petit papa. Bonsoir, petit papa. Serait-ce la fin de ma carrière amoureuse ? C'est drôle. Toi qui n'es passé dans ma vie que pendant le temps d'une nuit, croyant que c'était pour toujours. C'est drôle pour moi, tu n'étais rien de plus. Rien qu'une aventure de plus, sans lendemain et sans amour. Jamais je n'aurais pu imaginer que près de toi j'avais trouvé le bonheur que j'ai cherché. Après, c'est drôle, je te rencontre là ce soir, je te raconte notre histoire. Pour moi, elle est toute ma vie. Que je t'ennuie,
car pour toi, l'histoire est finie. C'est drôle. Il a commencé, Sacha ? Ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment. Balance, on est deux, Sacha et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, Michel et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, Sacha et moi. Quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça nous cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors, encore une fois. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là, ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond dans l'ombre éclat, dans un grand tonnerre de bois, ça décrégole du sommet du septième ciel. S'il faut que le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Savent bien que le chagrin est moins lourd partagé.
devant l'amour. Il disparaît, il disparaît, mon premier, premier chagrin d'amour. Il disparaît, il disparaît, mon premier, premier chagrin d'amour. Mon premier, premier chagrin d'amour. Mon premier, premier chagrin d'amour. Je pense que vous êtes tous de mon avis. J'aime le talent de Dionne Warwick. J'aime la voix de Dionne Warwick, j'aime la silhouette de Dionne Warwick. En un mot, j'aime beaucoup, beaucoup Dionne Warwick. Je peux du reste vous dire n'importe quoi devant elle, parce qu'elle ne parle pas le français. Alors ça... Je comprends un petit peu. Tu comprends un petit peu. Eh bien, dans ce cas-là, je vais te souhaiter... Je tenais essentiellement, et à n'importe quel prix... Je tenais essentiellement à avoir Fernand Reynaud dans cette émission. Alors j'ai tout fait pour ça. J'ai téléphoné, j'ai télégraphié, j'ai envoyé des fleurs à sa femme, et je me heurtais toujours à la même réponse. Faudra qu'on en reparle. Et puis quand même, l'autre soir, il a accepté de venir souper avec moi après sa représentation. Et voici à peu près ce que ça a donné. Eh bien, c'est moi, Sacha, qui suis flatté que tu m'aies demandé de venir dans ton show. Et qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Écoute, si tu veux me faire vraiment plaisir, tu me racontes une histoire. Ben, ça va, alors, n'importe laquelle. Je vais te la raconter là, puis tu me diras si ça va. Ouais, hein? Garçon, s'il vous plaît, l'addition. Non, non, mais... Non, mais... Tu vas me laisser ça, hein? Oh, ben, dis donc, je t'ai assez ennuyé comme ça, hein? Oh, non, mais Fernand, tu es ridicule. Tu es mon invité, et tu vas me laisser ça, j'y tiens absolument. En cause, moi, ça me fera plaisir. Écoute, Fernand, sois raisonnable, accepte simplement, hein? Voilà. Il y a que si on partageait. Oh, si tu veux, mais ça me gêne. Bah, il me gênera. Tu permets que je regarde, quand même? Oui, oui. Oh, garçon! Champagne! Eh bien, Sacha, je vais donc te raconter une petite anecdote, mais ça tombe bien parce que c'est une histoire pour intellectuels. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut la comprendre, cette anecdote. En effet, c'est, faut bien écouter, c'est une dame qui a un perroquet. Hein? Ça fait 6 mois que je la raconte, celle-ci, et moi je l'ai pas encore comprise. Et cette dame qui a un perroquet, elle a une petite fuite à sa baignoire. Et quand on a une fuite à sa baignoire, à qui qu'on téléphone, on téléphone au... Plombier ! Très bien. Parfait. Et le plombier lui dit, écoutez, madame, je suis navré, vous me demandez de venir immédiatement, malheureusement, moi j'ai beaucoup de travail, je ne pourrai venir qu'en fin d'après-midi. Ah, oh, ben c'est embêtant, répond la dame qui a le perroquet. Je voulais prendre un bain. Écoutez, vous prendrez un bain un autre jour, moi j'ai beaucoup de boulot. Ah, oh, mais écoutez, madame, n'insistez pas, je vous présente mes hommages. Je viendrai en fin d'après-midi. Oh, mais bien, bon, ben, madame. Et la dame qui a le perroquet se dit, ben, puisqu'il vient en fin d'après-midi, j'ai tout mon temps, je vais aller faire quelques courses. Et elle sort de chez elle, laissant dans son appartement son... Perroquet ! Très bien. Et c'est là où est la subtilité de l'histoire. Jean Rostand, d'ailleurs, en a parlé très longuement à la Sorbonne, au cours d'un colloque qui a eu des répercussions internationales, c'est qu'on n'a jamais pu élucider le mystère suivant, c'est que le plombier, au même moment, se dit « Mais je suis ridicule. Je dois aller dans son quartier pour faire des gros travaux. Pour boucher un trou de baignoire, il y en a pour 2 secondes. Je vais y aller directement. Ça, c'est le genre de bonne femme, elle va téléphoner toute la journée. Je vais y aller directement. » Le plombier, il se fait. Il y aller directement. Voilà. Concierge! Concierge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais parler à madame Mouchabeuf. Premier à droite. Merci, 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 monsieur le concierge. Je vais y aller directement. Pour boucher un trou de baignoire, il y en a pour 2 ans. Voilà. Madame Mouchabeuf, à côté de Pierre Dac, c'est ça. Toc, toc, toc. Une voix à l'intérieur fait... C'est le plombier. Ils sont vrais.
premier. Ça va pas la mémé, hein? C'est le plombier. Vous m'avez téléphoné il y a trois quarts d'heure pour boucher le trou de votre baignoire. Je suis un plombier avec du plomb. Oh, ça commence à être appelant, non? Plombier! Je suis le plombier! Et je suis fier d'être plombier! Quoique j'ai l'air de parler devant cette porte, si les gens y passaient dans le couloir, ils vont dire il est dingue celui-ci. Tiens, plombier! Un quart d'heure après, qui c'est? Tu le plombier! Qui c'est qui dit que je suis pas plombier? Il y a un homme ici qui dit que je suis pas plombier, où il est? Il m'en faut cinq, moi! Et des vicieux! Plombier! Je suis plombier, voilà ma loi. Une demi-heure après, qui c'est? La dame qui avait été faire ses commissions, elle revient, elle remonte ses escaliers. Elle voit un type complètement écroulé sur son paillasson. Elle fait, qui c'est? Et il y a une voix à l'intérieur qui fait, c'est le plombier! Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime. Oh oui, je le sais, avec moi maintenant. Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime. Oh oui, je le sais. Allez, plus fort. Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime, oui. Moi, je sais, c'est que je t'aime. Oh oui, je le sais. Que j'en rêve si fort, que j'en rêve si fort, que j'en rêve le jour et la nuit. Si fort, que j'en rêve si fort, que j'en rêve si fort, que j'en rêve le jour et la nuit. Car moi je sais, c'est que je t'aime, oui. Se marier, car moi je sais, c'est que je t'aime, oui, moi je sais, c'est que je t'aime, oui, moi je sais, c'est que je t'aime, oh oui, je le sais. Allez, les filles seulement. Et tu sais, chaque jour m'a prouvé ton amour. Les garçons maintenant. Moi je sais, c'est que je t'aime, oui, moi je
Oui, je le sais. Réchauffer. Dis-moi, et toi Jean-Pierre ? Oui, oui, oui. Il paraît que tu joues depuis quelques jours une pièce libertine mais sérieuse. Libertine mais libertine. Sérieuse. Au théâtre de l'Athénée sous la direction de Jean Villard. Au théâtre de l'Athénée. De l'Athénée. De l'Athénée, voilà, c'est ça. Et tu n'as pas peur que les dames qui te considéraient jusqu'à présent comme un joyeux godelureau. T'as pas peur qu'on te prenne trop au sérieux. Ah non, mais ça ne change pas. C'est le même personnage qui continue au XVIIIe siècle. Elles vont le respecter. Oh, excusez-moi. Oui. Mm-hmm. Il n'y a aucun risque. Une admiratrice qui me demande de danser. C'est sûrement une grosse dame. Oui, mais vas-y, ça va être rigolo. Vas-y, on va regarder. Ce garçon qui ne vous plaît pas, je vais vous faire taire, moi. Ce garçon, les filles, c'est mon frère. Essoufflé, c'est pas toi que ça risque d'arriver, Hugues. Pourquoi ? C'est jamais la Traviata quand tu chantes. Ah oui ? Ah oui, alors là... Mais moi, pardon, vous permettez, ça plaît. Quand je chante. Bois. Oh là là. D'ailleurs, vous voyez, on me demande encore de chanter. On me demande de chanter. Ça n'a pas l'air combiné, tellement. Ah, ça n'est pas combiné. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Le seul problème, c'est que là-dedans, moi, j'ai l'air d'un charlot, vous comprenez ? Embrasse-moi quand même, embrasse-moi longtemps, l'heure est venue, il faut oublier le mal que tu m'as fait, le mal
que je t'ai fait. Si ton cœur se ferme encore, et si tu pleures encore, embrasse-moi quand même. Pour effacer le temps, le temps perdu, le temps des mauvais jours, et viens m'aimer toujours. L'adresse, le téléphone. Non, mais c'est à moi. Vous permettez, Bolivar? Non, ah non, pas Bolivar. Caviar. Caviar, 12 000. Caviar, 12 000. Champagne, 22 000. Bon glacé, 3 500. Total, 37 500. Réflexion faite, divisé par 4, ça fera pas tellement cher, hein? Ah, oh, bonjour, monsieur Sacha! Comment ça va, monsieur Sacha? Ça va bien, monsieur Marcel, et vous? Bonjour, monsieur Sacha! Comment ça va? Ça va bien, monsieur Marcel! Ça va, je vous remercie. Alors aujourd'hui, c'est le Sacha Show, monsieur Sacha! Eh oui, monsieur Marcel, aujourd'hui, c'est le Sacha Show! Ah, parce qu'alors, hier, on m'avait dit, demain, c'est le Sacha Show, on m'avait dit, monsieur Sacha! Évidemment qu'hier! C'était demain le Sacha Show, monsieur Marcel. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, monsieur Marcel. Mais alors, demain, il n'y a pas Sacha Show, monsieur Sacha. Et demain, on dira que le Sacha Show, c'était hier, monsieur Marcel. Ah, alors là, vous êtes complètement bête, monsieur Sacha. Parce qu'hier, il n'y avait pas de Sacha Show, hier, monsieur Sacha. Il comprend rien du tout, celui-là, hein, les petits-enfants. Et ça, monsieur Marcel, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un Sacha froid, monsieur Sacha. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est là, monsieur Sacha? Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un savon de Marcel, monsieur Marcel. Bon, et dites-moi, vous avez préparé quelque chose pour le Sacha Show, monsieur Marcel? Vous me demandez si j'ai préparé quelque chose pour le Sacha Show? Je vous demande si vous avez préparé quelque chose pour le Sacha Show, monsieur Marcel. Il me demande si j'ai préparé quelque chose pour Sacha Show. Vous me demandez si j'ai préparé quelque chose pour Sacha Show. Je vous demande si vous avez préparé quelque chose pour le Sacha Show, monsieur Marcel. Il me demande si j'ai préparé quelque chose pour le Sacha Show. Bon, j'ai compris, vous avez rien préparé du tout. Parce que moi, j'ai préparé quelque chose, monsieur Marcel. Vous avez préparé quelque chose pour Sacha Show, monsieur Sacha? Parfaitement, j'ai préparé quelque chose pour le Sacha Show, monsieur Marcel. Il a préparé quelque chose pour Sacha Show. Il a préparé quelque chose. Pardon. J'ai préparé un morceau de musique. Ah bon, moi aussi? Ça s'appelle Scooby-Doo Bidou. Alors moi, ça s'appelle un Mexicain basané, hein? Ah bon, alors qui c'est qui commence? Ah bon, mais alors on va compter, hein? Allez, on compte. Flo. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis ça chante. Bon, c'est moi qui commence, allez, c'est moi. Alors attention, hein, un, deux, trois, quatre. Vous allez voir là-bas si j'y suis. Je vais voir là-bas. J'y si vous suis êtes. Pas. Parce que pas. Maintenant, il faut que j'annonce Sandy Show. Parce qu'il faut que vous allez annoncer Sandy Show. Je vais annoncer Sandy Show, monsieur Marcel. Il va annoncer Sandy Show, monsieur Sacha. Mais alors, puisque vous annoncez Sandy Show, c'est pas le Sacha Show, c'est le Sandy Show Show. Alors hier, il me dit, demain, c'est le Sacha Show. Et alors, demain, c'est pas le Sacha Show, puisque c'est hier. Et puis finalement, à la fin du compte, c'est pas hier, parce que c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors, on si en a ras le bol, monsieur alors, Marcel. C'est comme... alors, là, c'est...
de la rivière, un cambré la mine fière, posé sur sa tête altière, elle portait son potelet. Tout le long de la rivière, le long de la rivière, la rivière, la sa silhouette légère, au jupon de couleur claire, mais dans l'eau une lumière qui va comme un feu follet. Une cabale, Maria, Maria, se disait tout bas, j'achète des œufs pour le prix de mon lait. Avec les poussins, j'aurai de beaux poulets. Avec les poulets, j'achète un cochon. Tous les gens diront, Maria, Maria, avec le cochon, c'est payé vos et vaches. Si elle les revend, du quel beau gros pot. À quel beau parti si Marie s'amourache. Oui, tout le long de la rivière, le fusil en bandoulière, des bouchons de la clairière, est venu le beau Pedro. Moi je les reconnais, je sais qui c'est. Depuis des mois je t'espère, depuis des mois tu m'es cher. Ne te mets pas en colère, mon âme est un bras zéro. Moi je les reconnais, c'est Auffray, Cassel et De Guettes. Je les reconnais, son crime ça. Maria, Maria lui dit comme ça. Tu sais Pedro, je pars vendre mon lait. Acheter un lit d'amoroso, Marie, Maria, je sais plus mes paroles. Ah, puis alors ils m'ont fait tremper à la soupière. Ce sera ton homme, c'est pas juste. Oui, oui. Ah, puis j'ai, non, alors fichez-moi le temps, je vous ai reconnu, enlevez vos moustaches, je vous ai reconnu là, je vous ai reconnu. Rendez-moi vous ai reconnu. Le nom de la rivière, j'ai vu flotter ta crinière et caché dans les fougères, je t'ai regardé passer. Vous n'étiez pas au début, vous. Vous avez changé avec Christelle. C'est pas juste. Si dans mes bras je te serre, je te garde prisonnière. Tu me trouves téméraire. Ma foi, je le suis assez. Ils ont fait ça pour me saboter parce que c'est Distels. C'est un coup à Distels. Il a fait ça parce que ça lui plaît pas. C'est un gros succès de cette chanson. N'importe où dans des...
des champs à Saint-Cyr. On était qu'à guitare. On chante sur les trottoirs, oui, mais on n'est pas syndiqué. Nos blue jeans sont râpés et dans de toi. Tu l'as bien compris. Tu l'as bien compris. Toi, tu es parti. Et quand je pense à tout cela, aujourd'hui, je m'aperçois que ta présence est tout pour moi. Consumido ante una imagen del Señor, con un rosario renegrido, repitiendo la oración. Ave María. Se han reunido en torno a la hermana mayor, está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante una imagen del Señor, con un rosario renegrido, repitiendo la oración. Ave María. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor, está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante una imagen del Señor, con un rosario renegrido, repitiendo la oración. Ave María. Un
un cirio medio consumido ante una imagen del Señor con un rosario renegrido repitiendo la oración. Cette fille-là se prend pour qui, se prend pour qui, se prend pour qui, pourquoi? Avec son air narquois. Elle n'est pas si, elle n'est pas si, elle n'est pas si bien que ça. Elle ne m'intéresse pas. Et puis ses yeux, et puis ses yeux, et puis ses yeux sont bleus. Et je n'aime pas les yeux bleus. En le voyant sortir de son camion, chasser les papillons d'Afrique, les cannibales en le traitant d'espion, l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Oh, monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Son briquet, son stylo, ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues remplies de filles toutes nues et dit: monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses filles nues, il rit. Mais dans sa tête, une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Son harem, il entraîna lui-même le gars, qui en voyant les femmes se ruer sur lui avec tant d'appétit hurla: ah, monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Partager enfin. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos.
geste. Allez, prends ton camion et retourne chez toi. Le pauvre homme s'écria, jamais. Monsieur Cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur Cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur Cannibal, ding 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 dong, je ne veux plus partir. Ding dong 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 dong, Monsieur Cannibal, ding 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 ding, je ne veux plus partir. Si bien ici, mais on m'attend chez moi. Mettons encore un disque, rien qu'un seul, et puis tu partiras. Laisse ma joue. Chez toi. Tant pis, on m'attendra. Mais moi encore ce disque que j'aime. Et puis je partirai. Laisse ma joue. Tout en dansant, tout bas, la boum boum, dans une soirée très mondaine, au milieu des princes et des reines. Dans mon smoking en location, tout en dansant, tchoumba, la boum boum, on va avec une dame imposante, se souvenant des années 30, et qui me marchait sur les pieds. Sur son collier que les lustres faisaient briller, moi je me mettais à rêver tout en dansant la boum boum, avoir une villa sur la côte, une Jaguar, un joli yacht et des mannequins pour me faire les mains. Dansant, tout va, la boum boum, on va. Ma main monta le long du cou de la belle au sourire si doux qui commençait à se plaire beaucoup. Tout en dansant, tout va, la boum boum, on va. Dans
une dernière caresse sur le trésor de la déesse. Je mis dans ma poche le collier. C'est bien connu depuis que la terre est ronde, les hommes ont cru mener le monde, sans savoir qu'en vérité, les femmes les menaient par le bout du nez. C'est vrai, ça ne s'est pas arrangé, d'année en année, elles ont fait des progrès, et c'est vrai. Les hommes d'aujourd'hui sont prêts de sombrer devant leur frénésie. C'est vrai, elles sont tellement futées. C'est vrai, tellement, tellement futées. C'est vrai, bien plus futées que nous. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont tentées par toutes les aventures. Elles font des courses de voitures. Elles vont toutes seules dans les bars et fument le cigare comme de vrais hussards. Alors, toutes ces occupations, ces compétitions, ça crée des occasions. Et je dis, et j'en reste convaincu, qu'il s'en faut d'un rien pour qu'on soit tous copains. Devant l'amour, elles ne font pas plus de manière que des sportifs dans un vestiaire. Les hommes ne leur font plus peur, ils ont les cheveux longs, pas tout à fait aussi longs. Elles ont coupé les leurs, elles sont en bottes de dragon, tandis que tout blanc, ils vont en botillon, à tel point qu'on ne comprend plus très bien si c'en était une ou bien si c'en est un. C'est vrai, elles sont tellement futées. C'est vrai, tellement, tellement futées. C'est vrai, bien plus futées que nous. C'est vrai, c'est vrai. Mais quant à moi, ce n'est pas pour me déplaire, je suis tout prêt à laisser faire. Et j'attends celles qui viendront m'offrir un gros diamant ou un manteau de vison. J'attends celles qui m'offriront une belle Ferrari, une villa à Capri. Et qui sait, si elles y mettent le temps, ce sera-t-elle un jour qui nous feront des enfants. C'est vrai, elles sont tellement futées. C'est vrai, tellement, tellement futées. C'est vrai, bien plus futées que nous. C'est vrai, oh oui, c'est vrai. Ah, alors, nous voilà tous mariés, hein, n'est-ce pas, mon cher monsieur Cassel? Eh oui, mon bon monsieur Distel, oui, oui. Tu verras qu'on s'y fait. Mais on s'y fait très bien, j'ai remarqué déjà. Oui, remarque quand, sous le ciel de Paris, au mois de mai, on voit les jolies parisiennes. Quand est-ce qu'on se marie?
jouerai plutôt hirondelle que mon petit poulet. T'inquiète pas, laisse causer. Les bobards au pari mutuel, il faut s'en méfier. T'inquiète pas, laisse tomber. Hirondelle, c'est un tuyau qu'on m'a refilé. T'inquiète pas, laisse causer. Peut-être qu'il est comme mon vélo, un petit peu crevé. T'inquiète pas, laisse tomber. Je jouerai plutôt hirondelle que mon petit poulet. T'inquiète pas, laisse causer. Je le vois au bout de mes jumelles comme si j'y étais. T'inquiète pas, laisse tomber. Comme le dirait Oscar Wilde, faut savoir se mouiller. T'inquiète pas, laisse causer. De toute façon, le baron Rothschild sera à l'arrivée. T'inquiète pas, laisse tomber. Je jouerai plutôt hirondelle que mon petit poulet. T'inquiète pas, laisse causer. Je me demande de quoi que tu te mêles, tapant la télé. T'inquiète pas, laisse tomber. Léon Zitrone a dit tantôt qu'il est bien placé. T'inquiète pas, laisse causer. Le gros Léon sait de quoi qu'il cause, il peut pas se tromper. T'inquiète pas, laisse tomber. Tu veux un tuyau, oui ou non? Bon alors, mon petit poulet dans la deuxième, oui. Et maison Poulaga dans la quatrième. Mesdames, messieurs, je vais avoir le plaisir de vous interpréter une fort jolie chanson, une petite bluette, il s'appelle L'escargot coquin. Il rampe et glisse sans repos vers les choux-pommes et les tendres salades. Sa maison le suit dans ses escapades. Trempe. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça, voyons. Ça suffit, oui, ça suffit. Allons, allez, hop. C'est coin. Il rampe et glisse sur... Alors, quoi, enfin, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Allez, enlevez-moi ça, allons. Limaçon, montre-moi tes cornes. Limaçon, sors de ta maison. Quoi qu'il en soit, je vais vous chanter mes hallucinations. Oh non! Grand-mère m'a dit, Edouard, tu as trop de cheveux. Il tombe sur tes genoux et cache tes jolis yeux. Je lui ai dit, grand-mère, excuse-moi, veux-tu? Je ne peux pas les couper, en dessous je suis tout nu. Non. Edouard, pourquoi tu portes un Bermuda à fruits? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup d'esprit. T'es comme le père Léon et tu me fends le cœur. Tu es très en retard avec ta robe à fleurs. Oh non! Ce matin, en me réveillant, je marche du pied gauche sur un disque de Léon. Je ne me suis vraiment pas du tout inquiété. Ça m'a porté bonheur pour toute la journée. Oh non! Mon meilleur ami l'autre jour à Calais allait acheter un tissu écossais. Je lui ai dit, tu ne connais pas le système. Pourquoi ne pas l'écosser toi-même? Mon ami Léon, il est un peu idiot. Il prend toutes ses plaques dans l'almanach Vermeau. Ça
n'est pas qu'il veut se faire remarquer, mais parce qu'il trouve ça beau et parce que ça lui plaît. Oh non! Un jour du mois de mai, je vais à l'Olympia. C'était Léon qui jouait de l'harmonica. Tu nous casses les oreilles, Léon. Pourquoi ne joues-tu pas de l'accordéon? Oh non! Grand-mère m'a dit, Édouard, explique-moi, veux-tu? Pourquoi de l'aspirine tu chantes les vertus? J'ai dit, entre les genoux, si tu la serres bien, c'est très efficace et ça ne risque rien. Sonnez pas, parce que je ne suis pas allé dans les écoles, que je ne suis pas intelligent. Je dirais même que c'est parce que je suis intelligent que cela ne m'a pas gêné de ne pas aller dans les écoles. Vous voyez, je pense. Au début, je n'osais pas, même en mon fort intérieur. Je faisais des citations plutôt. Mais maintenant, je pense par moi-même et tout haut, sans texte préparé ni rien. En quelque sorte, j'improvise de la pensée. C'est que, tel que vous me voyez, je me suis fait moi-même à la force du poignet. Remarquez bien que je n'ai pas eu besoin d'aller au cours du soir. La pratique, l'expérience ont voulu que, petit à petit, je connaisse les choses depuis le bas de l'échelle, comme qui dirait en les touchant du doigt. Par la suite, j'ai potassé en d'Emmanuel jusqu'à des 10 et 11 heures du soir. Puis, ensuite de ça, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pris sur moi de me rendre à des conférences, n'est-ce pas, en me forçant à écouter, même si je ne comprenais pas ou si j'avais sommeil. Enfin, afin de me spécialiser dans tous les domaines, je me suis inscrit à des cours par correspondance. Chaque semaine, on m'envoie mon bulletin de notes qui fournit la preuve des progrès que j'ai accomplis. Mieux, il m'est arrivé une fois d'être appelé devant le conseil de discipline qui, sous prétexte que j'étais en avance sur le programme, ne voulait pas croire que je faisais mes devoirs tout seul. Eh bien, aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que ma carrière dans les écritures est assurée, étant considérée la façon dont je connais sur le bout du doigt les formules administratives les plus complexes. Mon chef lui-même, parfois, montre mon travail à mes collègues à titre d'exemple, parce que mes plaints et mes déliés sont d'une qualité rarement atteinte. Ce que l'avenir me réserve, je l'ignore. Cependant, j'œuvre chaque matin avant de me rendre à mon labeur. C'est ainsi que ce matin, comme chaque jour, j'ai travaillé au dictionnaire. C'est-à-dire que, primo, je me suis rappelé les termes vaurien, vautour, vautré, qui signifie se rouler dans la boue, vavassal, vavasseur et vaut le petit de la vache. Secondo, j'ai poursuivi en étudiant les définitions de vedette, vecteur, védique et surtout la série végétale, végétarien, végétation et végété, verbe utilisé par les médiocres. Tertio, j'ai prévu que demain, j'irai jusqu'à véhicule, qui est un mot extrêmement important vu qu'il est accompagné d'une planche, comme on dit, dans le Larousse. Mais j'ai déjà surpris au vol, dans les conversations, des mots que j'avais repérés sous des illustrations telles que landau, tombereau, tricycle, brouette, instruments qui peuvent tous être intitulés véhicules. Notons en passant que je travaille en outre ma diction, brouette. Une bonne diction, c'est la moitié de la pensée. Tout le reste n'est que vocabulaire. Je termine en signalant à votre attention que si j'en suis arrivé là où j'en suis arrivé, c'est grâce à une peine acharnée, prise à l'abri des plaisirs, qui actuellement détériore la plupart des couches de la société. Eh bien, voyez-vous, je n'en citerai aucun de ces plaisirs, par pudeur à l'égard des enfants qui, malheureusement, de nos jours, ont toujours l'oreille placée là où il ne faut pas. Je vous remercie de votre attention.